matin est tiré de la première épître de Pierre. 1 Pierre chapitre 5, versets 5 à 11. Il y a quoi qui va se rouler. Nino épistole qui n'y t'y peut aussi, il y a beaucoup. Ori Karou, Vélati, et c'est Karou de Kokola. Donc, au direct, à fond, nous étons même. Nous prenons un peu de temps à faire des choses. Nous avons fait des choses et nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses. Au nom de Jésus-Christ, le Sauveur. Père Tout-Puissant, cette parole que nous venons de lire dans l'enseignement de tes apôtres, par ton Esprit Saint, fais-nous la comprendre. Et que nous voyons clair dans la parole. Et que ne soyons pas de vains prédicateurs ni de vains auditeurs. Que nous produisions le fruit, Seigneur. Que ne soyons pas infructueux devant toi. Que le fruit de l'humilité se manifeste sur nous. Fais-nous digne de cela, Père. Et que ne soyons pas ceux qui ne font que lire ou chaque fois entendre sans avoir ce fruit, Seigneur. Au nom de Jésus. L'enseignement que nous venons de lire, c'est un rappel que nous voulons nous faire les uns les autres. Parce qu'on ne peut pas compter le nombre de fois que nous avons déjà lu ce passage depuis que nous avons cru. Et pourtant, il peut y avoir plusieurs personnes ici et qui, pour la première fois, ils entendent la parole. Et c'est ainsi que cela se passe en tout temps. Et là où il y a quelqu'un a déjà entendu plusieurs fois, c'est en ce même lieu qu'il y a un autre et que c'est pour la première fois, lui, il entend. Et c'est pour la première fois que ce passage, il a entendu. Et il en est ainsi dans le monde entier. Écoutons donc l'enseignement. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Le petit existe. Et il y a également l'ancien. Et obligatoirement, le jeune qui a l'enseignement de Dieu se soumet devant le grand, le plus âgé. Et l'âgé, cela commence depuis nos maisons. Et Dieu a établi une loi concernant la famille par rapport aux chefs de famille et aux enfants qui sont là. Si tu es pour
Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Cette loi est accompagnée de promesses. Et c'est comme si les enfants ne souhaitent pas avoir une longue vie. Et c'est pour cela aujourd'hui dans plusieurs foyers, dans plusieurs familles, ce qu'on ne doit pas entendre dire de la bouche des enfants envers leurs parents ou envers leurs aînés, c'est ce qui se dit aujourd'hui. Et ne doit rien d'or. Oui, ouais, ton mère nous con. Mais ma ici un jour avec ton doigt et ton mon ado. Et c'est ce qui veut dire que l'humilité envers le grand ou bien l'âgé, celui qui n'a pas l'éducation ou bien l'enseignement de Dieu dans sa vie ne peut pas l'avoir. Mais ça c'est au clan jiwaya weton bo mayiro donde e ma gantindo. Et celui qui écoute l'enseignement de Dieu et ne le considère pas ne peut pas avoir cette soumission. Nous aisons et de taïdi do. Et c'est ce qui a fait qu'il semble que les enfants n'ont plus d'oreilles aujourd'hui pour entendre. Puisque une fois après l'avoir lu, et puisqu'il ne considère pas cela, il voit cela comme quelque chose qui n'a pas de profit ou de gain pour eux, raison pour laquelle il ne le considère pas. Et la promesse dont a parlé l'Éternel, est-ce qu'elle pourra se manifester là maintenant? Et voilà que la Bible nous rappelle encore des choses à tous les jeunes et à tous ceux qui ont cru. Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et ils rassemblent et jeunes et grands. Et bien, mais il rassemble, il les a rassemblés tous. Boudamon. Et dit, Mimekpo. Et tous. Mimekpo. Et vous tous. Toni nomé minando po minozo pome. Dans vos rapports mutuels. Mindo wiwe mizi wiwe do toa. Revêtez-vous d'humilité. Mekpo. Vous tous. Dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité. Dans quelle maison pourra-t-on voir cela? Dans quelle église pourra-t-on voir cela? Est-ce que cela existe? Si cela doit être manifeste, que ce soit dans nos maisons, dans nos églises aussi. Et si effectivement nous avons des oreilles pour entendre. Et si effectivement nous avons des yeux. Et si nous cernons le passage ou la lecture que nous avons faite. Et si nous comprenions ces choses, nous saurions que ce soit dans la maison ou dans l'église, nous tous devons nous revêtir d'humilité. Et n'importe où nous sommes, dans quelle activité que nous entreprenons, et dans notre force que nous déployons, que Dieu nous a donnée, et dans toute l'élévation que nous avons, nous devons nous souvenir que nous tous, dans nos rapports mutuels, devons nous revêtir d'humilité.
Et si les choses vont ainsi, tel que l'enseignement de l'apôtre l'a dit ici, toi-même tu sauras que tu t'es rapproché de Dieu. Et que tu es l'ami de Dieu. Parce que quand le Fils de Dieu est venu sur la terre, avec toute la puissance qu'il a, avec toutes les bénédictions qu'il a, celui qui multiplie 5 pains et 2 poissons pour nourrir une multitude de personnes, est-ce qu'il ne devrait pas se montrer, se vanter? Et pourtant, il ne faisait en aucun cas aucune preuve d'orgueil. Il se soumettait, s'humiliait. Celui qui parle et le boiteux se lève et marche, est-ce qu'il ne devrait pas se montrer et faire preuve d'orgueil? Celui qui parle ou qui prédit des choses qui vont se passer dans 1000 ans dans le futur et qui parle de ces choses où ces choses se produisent et arrivent, est-ce qu'il ne devrait pas se montrer? Mais la main est bon. Celui par qui tout fut créé, toutes ces choses que nous voyons dans le monde, et il est venu sur cette terre. Est-ce qu'il ne devrait pas se montrer? Mais il n'avait pas fait preuve de cela. Mais dans nous les coups cagnettons. Il est beau, il est beau. Il est une de moi habillé et sort dans nous les cognettons. Et dans pour les cognettons et ma cacla. Le Créateur de toutes choses, à qui tout appartient, il a créé tout et tout sont à lui. Est-ce qu'il ne devrait pas s'enorgueillir? Et nous qui ne possédions qu'un minimum de choses. La parole de Dieu déclare que nous tous, dans nos rapports mutuels, revêtons-nous d'humilité. Que cela soit manifeste en toi et ta femme, toi et ton enfant, toi et ton collègue. Tous les hommes diront de toi, celui-ci ressemble à Jésus. Que dans vos maisons, vous ressemblez à Jésus. Vous êtes à son image, vous marchez selon son modèle et cela à partir de votre maison déjà. Et si il en est ainsi, il n'y aura entre vous aucune plainte de l'un contre l'autre. Et parce que vous tous, vous marchez d'une même manière. Et malgré cela, on sait celui qui est supérieur à l'autre, mais on n'a pas fait cas de cela puisque vous êtes à l'image de votre Créateur. Mais le courant de Temme, Temme, mais où est-ce nous croyons d'accord? Chacun va considérer son prochain et lui donner sa place qu'il faut. Et ensemble, dans la maison, il y aura une prospérité. Et si déjà à partir de la maison, nous vivons dans cette relation les uns envers les autres,
Et qu'ensemble, nous finirons par nous retrouver à l'église. Quelle sera l'image de notre église en ce moment-là? Ne serait-il pas l'image de son Créateur? Nous sommes dotés de mon bonheur. Quel défaut pourra-t-on nous trouver en ce moment-là? Mais mon Dieu, nous ne n'ayons d'où et il donne au clan et ne note et au besoin, mais les potomènes. Mais mon Dieu, nous ne n'ayons d'où. Et considérez quelle sera la splendeur de cela lorsque chacun et tous nous allons garder cet enseignement dans notre vie, dans notre cœur. Mais mec, vous tous. Ni mi me pose nga yi din be ndiro mi na yi me se poma o. Et si nous tous nous pourrions nous conformer ainsi, alors nous allons nous rapprocher de Dieu. Et ta ou mi me ko do na yi bosan dan we yin na me popo et ta ou we. Et pourquoi cela doit être indispensable à nous tous? Olo die mu. Voici donc la parole qui suit. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous devions donc comprendre que Dieu résiste aux orgueilleux, celui qui se considère plus. Sans connaître les autres, sans les distinguer. Dieu résiste à de telles personnes. Mais son quoi bon? C'est à partir de la maison. Le wedding a joué ton besoin d'homme bon, caca de bion à bon et ton. Parce que le jugement de Dieu commence depuis notre couchage jusque dans son église. Et on a eu mis le mot. Nous devions donc comprendre cela ainsi. Et ce que Dieu a fait de nous dans nos maisons, nous n'allons plus nous montrer comme si nous sommes supérieurs à Dieu. Nous sommes. Et ce qu'il a fait de nous dans son église, nous n'allons pas nous montrer, nous élever au-dessus de lui qui nous a fait ainsi. Parce que si tu as un don, c'est quelqu'un qui te l'a donné. Mais et c'est quelqu'un qui fera progresser cela, qui va propulser cela sur toi. Et tu ne vas pas agir comme si tu étais né comme ça ou que c'est toi qui es là et c'est fini, non. Avant que l'homme ne réussisse sur cette terre devant Dieu, il doit se revêtir d'humilité dans ses propos, dans ses actes, et doit faire preuve d'humilité, et tous verront que effectivement celui-ci il ressemble à son maître. Au moment et à partir du moment où on est déjà dans cet état, où est Bigbo, où est nos volants mettons, où est nos volants mettons, pour nous dire mais qu'on dit. C'est à partir de ce moment même que l'Esprit Saint prendra ton contrôle et va te diriger dans tous tes pas, dans tout ce que tu vas faire, et tu seras au rythme, apte à tout, dans toutes tes activités. Parce que tu es aimé de Dieu. Mais Dieu, il résiste aux orgueilleux.
Et si vous connaissez quelqu'un qui est orgueilleux dans votre maison ou bien là où vous travaillez, attendez pour voir la fin, ce qu'il va récolter, si cela va dépasser la résistance de l'Éternel. Et si Dieu te résiste depuis les cieux, qu'est-ce que tu vas devenir si ce n'est qu'un sujet d'amusement devant tout le monde après? Et par toi, on pourra éduquer les autres. Prends l'exemple de telle personne, après avoir fait preuve d'orgueil, après avoir tout fait comme s'il était le seul au monde, qu'est-ce qu'il a fini par récolter si ce n'est la chute, le rabaissement total? Je suis né il n'y a pas longtemps, mais avec mon temps que j'ai passé sur cette terre, ceux-là qui ont fait preuve d'orgueil sur cette terre, ce que j'ai vu de mes yeux sur eux, c'est vraiment énorme. Quel que soit ce que Dieu a fait de nous, nous devons lui reconnaître cela et savoir que c'est lui qui nous a fait ainsi, et devant lui nous n'avons aucun pouvoir de nous montrer, de nous vanter, ni devant les hommes aussi. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui m'a fait ainsi. Et si je commence par me montrer, je peux qu'il ne se fâche et m'arrache encore de cette place. Nous devons nous souvenir. D'Israël, que quand les enfants d'Israël irritaient Moïse lorsqu'il marchait pour se rendre sur la terre promise, Moïse, dans sa colère, n'a fait que prononcer deux mots et Dieu a dit: tu ne m'as pas sanctifié devant les enfants d'Israël. Donc nous aussi, nous devons avoir peur pour que Dieu ne prononce cette parole à notre égard. Vous répondez aux gens avec fureur, vous répliquez avec colère. Au lieu de vous calmer, de vous examiner et répondre avec douceur, et pour savoir que nous n'avons aucune force. Et si vous avez même des forces, qu'est-ce que vous avez le pouvoir de faire à un homme? Même si vous avez le pouvoir de le tuer, avez-vous le pouvoir de le relever ou bien de lui accorder la vie éternelle? En toutes choses. Ne ressemblons pas à l'ennemi de Dieu. Connaissez-vous l'ennemi de Dieu? C'est l'ancien serpent qui a séduit Adam et Ève et qui continue de séduire le monde actuel au point où les gens ne sont pas prêts à recevoir la vérité de Christ pour la mettre en pratique.
il sème, il met en l'homme l'orgueil. Agbaje goyiji to li nire pope de aso utupong le agbaje ido jeunu kon alezun keto maudon. Et si tu commences par ton orgueil devant Dieu, quel que soit la place qu'il t'a donnée, alors tu as déjà chuté devant Dieu et tu es déjà devenu son ennemi. Do ma di utu. Parce que tu ne le ressembles pas. Et ta gbelo so do wu lo bo na va gbelo po to didi de mi to ko do ti wa me ma po. Il a créé le monde entier et tout ce qu'il renferme. Et il a encore le pouvoir de le détruire en un clin d'œil. Et pourtant, il agit avec douceur envers tous. Et si après son attente, sa patience, quelqu'un se perd encore, alors c'est son problème. Donc c'est le choix qu'il s'est fait ça. Ce n'est plus le plan de Dieu sur lui. Pour tous. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il y a donc là deux choses. Et il revient à chacun de choisir. Tu peux choisir donc l'orgueil et devenir l'ennemi de Dieu contre qui il résistera, ou choisir l'humilité pour être son ami envers qui il fera grâce. Donc si je vois quelqu'un, si c'est une femme qui s'enorgueillit, si elle considère la beauté qu'elle a, sa clarté, sa maison, son argent, je sais déjà qu'une telle personne a déjà choisi le plan de la résistance de Dieu envers lui. Et moi, je ne suis plus là à discuter avec lui. Et si je vois encore quelqu'un, malgré tout ce qu'il possède, tout ce que Dieu lui a donné, qui a choisi de marcher avec l'humilité dans toutes ses voies, je sais déjà qu'une telle personne a choisi l'assistant de Dieu parce que l'Éternel Dieu lui fera grâce. Amen aussi, Mère. Tu n'as de gars pour personne. Tu es là à répliquer à tous ceux qui te provoquent. Je sais déjà que tu as choisi ta perte parce que bientôt, tu vas être rabaissé. Mais si tu es là à écouter, à être sort et humble, je sais également que tu as déjà choisi la grâce de Dieu parce que l'Éternel Dieu va t'assister au quotidien. Notre Dieu, il est le seul qui n'a d'égal et il est le seul qui peut parler ou agir sans être
condamnés. Mais nous devons agir dans nos rapports et savoir que nous avons un supérieur qui est Dieu. Et reconnaître également ce qu'il nous demande. Celui qui connaît Dieu, ce qui démontre cela, ce sont ses actes qui démontrent qu'effectivement celui-ci connaît Dieu. Et quelqu'un qui ne connaît pas aussi Dieu, c'est dans ses actes, dans ses comportements que nous allons aussi constater qu'il ne connaît pas Dieu. Nous devons nous souvenir de cette phrase. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Et vous jeunes, vous devriez également vous souvenir que vous deviez être soumis aux anciens. Et ensemble, nous tous, nous saurions que dans nos rapports mutuels, nous devons nous revêtir d'humilité les uns envers les autres. Sans cela, nous serions à l'image des chiens. Nous serions à l'image des chiens qui se mordent, qui se chamaillent. Pourquoi? À cause d'une nourriture ou d'un pain qu'ils ont trouvé. Et celui qui a la force plus que l'autre va se jeter sur l'autre et le mordre. Nous ne devons pas être à cette image-là, à cette image. N'avez-vous pas entendu ce que la Bible a déclaré dehors les chiens? Ce sont les hommes qui auront des comportements comme les chiens qui vont rester dehors. Quand j'ai entendu la parole, j'étais vraiment très furieux, nerveux. C'est pour cela que je me suis déchaîné. Tu vas te rabaisser. Le verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Dieu a donc un temps qu'il a fixé à chacun pour qu'il vous élève au temps convenable. Gloire soit rendue à Jésus pour toujours. Gloire soit rendue à la puissante main de notre Dieu. Qui ne manque jamais de lever ceux-là qui se sont soumis devant lui et qui font sa volonté. Chaoui. Le verset 7. Minon de akma kwen kwen de relè kwen wara milè. Minon de akma kwen kwen lokondo jesuji. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Do wosu di devino mono wiro mowe miyine. Et comme un parent n'oublie pas son enfant, vous êtes aussi des fils pour Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, tout ce qui vous accable. Ne vous chargez pas de ces choses vous-même.
Car lui-même, il prend soin de vous. Il prendra soin de nous. Jusque dans le sein d'Abraham. Chantons. Le verset 8. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, est au lilé domi. Rôde autour de vous. Comme un lion rugissant. Cherchant qui il dévorera. Quelle que soit la parole que tu as entendue, qui te fera monter au point où tu n'auras même pas égard à Dieu pour répliquer, tu dois savoir que c'est ton ennemi, le diable, qui agit ainsi. Quel que soit ce qui te fera oublier ton ministère devant Dieu et où tu vas penser ou bien vouloir agir selon la circonstance actuelle, tu dois savoir que c'est ton ennemi qui t'induit ainsi dans l'erreur. Revêtez-vous d'humilité. Veillez. Parce que votre adversaire, le diable, rôde autour de vous. Il n'a pas encore trouvé d'issue, mais il est là en train de rôder pour guetter. Au moment où il trouvera une opportunité, alors il est là pour te guetter pour voir si tu vas faillir. Si tu considères les choses auxquelles tu es confronté pour agir ou pour parler, alors tu seras prise dans son piège. C'est pour cela que chacun de nous doit reconnaître que c'est un secret que la Bible nous dévoile ici. Et quel que soit ce que tu es ou celui que tu es, tu dois savoir que le diable est en train de rôder autour de moi, je ne lui laisserai pas faire. Il cherche celui qu'il va dévorer. Celui qui va se livrer à lui comme une proie, oubliant les recommandations de l'Éternel dans ses actes ou dans les actes qu'il va poser, et comme ça, il va se jeter sur lui. Le verset 9 dit, « Migulo eko yise sisi eko » Résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc quand on croit, tu dois reconnaître que ce que tu es en train de vivre dans ta ville, c'est la même situation qui est vécue ailleurs. Quelles que soient les oppositions, les reines, les soulèvements contre toi, tu dois tenir fermement. Que ces choses ne t'amènent pas à blâmer contre Dieu. Résistez-lui avec une foi ferme.
Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le dixième nous dit. Le Dieu de toute grâce. Qui vous a appelé en Jésus-Christ. À une gloire éternelle. Voyez-vous. Le diable ne l'a pas. Cela nous est donné à vous et moi. Pourquoi? Parce que nous avons connu Jésus, nous l'avons reçu. Nous avons su celui qu'est Jésus lorsqu'il est venu et nous l'avons reçu. La gloire éternelle m'est réservée, t'est réservée, et également réservée à tous ceux-là qui ont cru dans le monde. Après que nous aurions souffert un peu de temps, il nous perfectionnera. Nous affermira. Nous fortifiera. Et nous rendra inébranlable. C'est ça. Nous serons donc raffermis, enracinés, inébranlables dans quelque situation que ce soit. Et si nous reconnaissons ce qu'il nous recommande, en nous conformant à cela, dans le monde entier, nous serons inébranlables. Il nous rendra inébranlables. Quelle est donc cette puissance? Qui veut l'avoir? Ce sont les humbles qui l'auront. Ceux qui ont fait de Dieu le souverain dans leur vie, ils verront cette gloire-là. Et ceux qui sont persécutés, mais malgré cela, ils ne veulent pas exercer la vengeance contre quiconque. Il a laissé la rétribution à Dieu. Et c'est une telle personne qui deviendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Et si nous savons que celui à qui appartient la puissance au siècle des siècles est Jésus-Christ, que ces lois ou ces préceptes ne soient pas difficiles devant nous, devant nos yeux, une fois que nous l'avons déjà suivi, alors attendons son jugement qu'il va exercer, la rétribution, la vengeance et la grâce qu'il fera aux humbles. Et depuis les cieux, que ses yeux puissent nous voir comme les hommes qu'il va élever au temps convenable. Et il nous élèvera coûte que coûte. Si un enfant s'humilie, il le lèvera. Si une femme s'humilie, il le lèvera. Si un homme s'humilie, Dieu le lèvera. Donc la marche avec Dieu, c'est les hommes qui marchent avec lui. Mais nous, c'est vraiment bon.
Ceux qui marchent avec Dieu et qui font le progrès dans leur marche, ce sont ceux-là qui s'humilient devant lui. Jésus bénira chacun de nous. Thank you.
savoir que qu'il a déjà porté au nom de Jésus. Prions tous. Au nom de Jésus-Christ le Sauveur. Jésus-Christ, Jésus-Christ grand roi. C'est à toi que nous rendons grâce. Pour nos prières que tu ne cesses d'exaucer. Pour nos requêtes que tu prends en compte. Nous te remercions énormément notre Dieu. Reçois nos remerciements. Tous ceux qui sont venus ici se sont déjà déchargés sur toi. Ôte leurs soucis de leur vie, Seigneur. Ce qu'il leur faut, que leur cœur souhaite et ils t'ont invoqué, que ces choses le soient accomplies, Seigneur. Tous ceux qui demandent qu'on prie pour eux, que ce soit parmi les blancs ou les noirs, au nom de Jésus, amen. Qu'il sache que quand on te suit, il suffit de penser, tu l'accomplis. Sois ainsi pour eux, Seigneur. Tous ceux qui sont venus ici en ce jour, qui ont écouté ta parole, tu as dit que tu as envoyé ta parole et elle les a guéris. Guéris ton église, Seigneur. Guéris tous ceux-là qui t'ont reçu dans le monde entier. La maladie de leur corps. Exauce-nous, Seigneur. Tous ceux qui ont à cœur ton œuvre déversent la bénédiction sur eux. Et qu'ils trouvent de quoi pourvoir ton œuvre. Bénis leurs enfants, Seigneur. Dans la paix. Dans la santé. Dans la victoire sur leurs ennemis, Seigneur. Que les ténèbres ne les envahissent point. Que la lumière soit pour eux, Seigneur. Fait qu'ils demeurent dans ta lumière, Seigneur. Je te rends grâce parce que tu as déjà exaucé. Gloire te soit rendue au plus haut des cieux. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Alléluia. 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 Ni pa gigo na kru na Jesu. Amen. Oh, tenant tant tant tant.